Il n'a pas encore été sur le toit. Il a encore la vie. C'est mon fait avant. Je suis juste balance. Allô, allô. Les amis, madame, je suis ton monsieur, il est avec madame. Les amis, c'est 500 euros. Tu les as pas, je t'ai crédit, c'est bien en deux fois. Maintenant, Nico, c'est bon. Ah, bonjour à tous. On est sur la route, on vous démarre. Hello. Hello, hello. On va faire une petite valise. Oui, je prends. C'est bon. Ok. Tu me fais 3 minutes. Ah, merci. Tu te dis rien. Hein? C'est pas cher, hein? Non, mais tu te fais, c'est pas cher. C'est ça? Oui, on est en live. Alors on se trouve dans la ville de Nagaoka, à une trentaine de minutes des montagnes des éleveurs. On part maintenant en direction d'un éleveur casé où on a acheté pas mal de poissons hier, et on va faire une photo et encore une sélection et encore d'autres poissons à acheter. Donc ça va nous prendre une petite vingtaine, 25 minutes pour arriver jusque là. Karasugoi. Ah bah attends, son sondage il est foutu. C'est bon, vous êtes en live. Voilà. Désolé pour l'interruption, mais on a des petits soucis techniques de l'ordre d'alimentation électrique. Quand on est en rue, notre batterie ne tient pas suffisamment, alors on ne pourra pas tenir totalement pour arriver jusque chez l'éleveur. Donc on va faire encore une petite interruption d'un quart d'heure dans 5 minutes, enfin dans 2-3 minutes. Ici on est sur la route, donc vous allez voir, on est sur la route, en plein centre de la ville, on quitte la ville pour aller chez Kazé. Donc départ à l'école là, tiens, hop là. Donc on va couper pendant je dirais, il nous faut un quart d'heure, 20 minutes pour arriver chez l'éleveur, et dans 20 minutes on vous reprend en live chez l'éleveur, chez Kazé. À tout à l'heure. Et ben voilà, on est juste sur les derniers 100, enfin 200 de mètres. On va arriver chez l'éleveur Kazé. Il y a l'autre qui se touche. Hein? La tête. Voilà. C'est sous le déluge, hein? Oh putain! T'as le déluge? Voilà, on arrive chez Kazé. Comme d'hab, on est les premiers. Ça va 5h exprès. Ok, on a besoin de noter des trucs là-dessus. Hein. Ouais, j'arrive. T'es dedans, hein. Allez, je d'accord, merci. Pas de problème. Tu prends? Non. Ok. Merci.
Ok. On va se ramasser une drache sur la tête là. Parce qu'on va travailler dehors là. On n'a pas de place. Oh, oh, oh. On a le parapluie là avec nous. Le petit parapluie. Le petit. Attends, on va le passer à Guillaume avant qu'il soit complètement sous le déluge. Hein. C'est de l'hôtel là ? Ouais. Non, il ne les a pas. On n'a pas pris de parapluie. J'en ai pas laissé sur les côtés. Il n'y en a pas. J'en ai toujours, moi. Il faut les prendre, c'est. Bon, t'inquiète, Théo. Tu as du courant ? T'as l'adaptateur ? Oui. T'as ton adaptateur ? Ouais, j'ai un adaptateur, ouais. Parce que toi, tu l'as pas, évidemment. J'ai le chargeur. Non, mais tu l'as pas, évidemment. Tête de turc aujourd'hui. On va le dire à Patrick. On va le dire à Patrick. On vient qui descend ça, toi. Tu
Bah, évidemment, on est en live. Pose ta caméra à l'endroit. C'est bon. Pose ta caméra à l'endroit là. Oui. Là, au-dessus. Mm-hmm. En position. Allez, pose. Surtout de. Je vais pas qu'il y a vraiment. Voilà. Regarde un peu ce que ça donne. T'as du courant quelque part ici? Non. Là-bas. Voilà. Ouais, comme il l'a pas mis, je l'attends. Voilà. Ouais. Voilà. On fait avec les moyens du bord, hein, les gars, parce que c'est pas évident. Ces éleveurs, ils n'ont pas les prises partout. Je sais pas ce que ça donne. On voit quoi? Voilà, ben voilà. Ouais. Ça a l'air d'aller un peu. Hein. Donc, mais tu vas chercher la prise et tout. Pêche, merci. Ah, ben on va pouvoir pêcher, alors pour le coup, il y a pas de la partie en plus gros. On est tout à l'arrache. On sélectionne tous ensemble. Hello, pas. Hello, hello, pas. Hello, c'est hello. 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 Quinze san. En fait, il est spécialisé dans ce qui est chibo, logiki, cuir métallique, etc. Il faut que tu saches.
monde. Ferme, ferme l'anti bas. Non, c'est sympa. Ferme l'anti bas. Viens là-bas pour moi. Viens, comment on dit, mais ferme, ferme. Toi, où? Ici. Attends, on va dire comme ça. Non, non. Tu branches, elle tient le coup. La caméra. Non, tu débranches la vidéo. Ouais. Ah oui, non, je peux pas. Elle fait pas sensible. Ouais, non, non, mais. Non, ça va pas. Hop. Il faut un. Oui, un instant. Arimas, choto tape, choto tape. Oh, rope, rope. Tu sais, rope, coco, rope, rope. Non, arimas, arimas. Miru, miru, coco, rope, rope. Tu sais, rope. Hi, hi. Arigato. On est bon? Qu'est-ce que t'en penses? La bouge pas trop, hein, je suis en train de la lier donc. Est-ce que c'est bon? Lâche? Lâche là? Non? Là, ça a l'air d'aller comme ça, c'est trop haut. Ouais, c'est beaucoup trop haut. Là, c'est bon. Hein? Là, on serait bon alors. J'ai une idée. Quelle idée tu as? Pas grave. C'est bon? Eh hey, mais. Il a une idée, notre ami. Il va aller chercher le trépied après un quart d'heure que je me casse la tête à attacher le bazar. Ah, il y a le trépied? Non. Ah oui, donc il y a aussi, on est déjà très très bien. Ça va? Direct TV. Live. Live, live. Et Europa è occhio che San Mita. Là, on a tous les petits filets, si vous voyez ça là. Hein. Ce sont tous les petits filets
des réservations des clients, et donc les poissons sont mis là-dedans avant d'être emballés pour partir dans les différents pays du monde. Donc il y a de fortes chances que vos poissons seront passés par là à un moment ou à un autre. Mets-le en hauteur, pompier. C'est par la hauteur là-bas. Ah, c'est le réveil. C'est l'alarme, il est 8h du matin. Il est 8h du matin. Regardez, un super Guinrin Pearl Shoah. Là-bas, en dessous de toi, il y a un Tancho Shoah. Fred à la manœuvre. Enfin, pendant que nous on pêche un poisson, 10 poissons, Fred en pêche un, le rejette, le repêche. En fait, il vérifie tout, taille, sexe, pointure. C'est le plus pointu de nous tous. C'est le seul qui comprend ce que c'est qu'un koi. Nous on fait au hasard et quand ça sort la loterie, bon, on a un bon petit poisson. Non, je ne le retrouverai pas.
t'as pas besoin de bouger, c'est là. Non. Pas bon. C'est qu'une. Pour le maximum. Il va vous en falloir encore. Encore. Et tire-toi ton pas dans le trou, toi, de toute façon. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on y est là? Ouais, voilà, parfait. Hein. Donc, Ben, vous voyez un peu les conditions de travail, c'est pas simple. Donc, on vient de pêcher une petite sélection pour avoir tracé, et on re-sélectionne chacun notre coup pour les différents participants aux, aux achats. Je sais pas. Je sais pas spécialement confiance en deux joueurs. On est plus loin. On voit David qui a tous les enfants à la mission de la rive. Je sais pas.
Thank you.
Thank you.
aussi. La pluie, il va la pluie. Vraiment. Oui. Oh, il glisse ça, nous. Il faut bien qu'il laisse là. Ok. Thank you.
Ah oui, on va prendre. Il faut peut-être pousser, quoi, arrêter un petit peu de pêcher pour calmer un peu l'eau. I want to go to the master. How's good? Ça,
j'ai dit, il reste quasiment pas. Hein. Bon, en tout cas, j'en vois pas. Donc on est effectivement au matin, il est à peine 9h du matin, je pense. Hein. 9h08 du matin, donc c'est où il doit être 2h du matin. Bon, je vais pêcher un peu maintenant. C'est fini. C'est fini. Hein. Mais on va faire... Prenez... On va pêcher éventuellement à deux. On va essayer de mettre dans les pêches. On va s'en occuper un peu, frère, parce qu'avec les autres, ils pêchent tout et n'importe quoi. C'est déjà obligé, en même temps, vous n'avez pas le choix.
n'allais pas la retour, 30 km de plage, toi. Voilà, donc ici on a plus peu que à mon avis, il y a une limite de temps. Allez, t'as que je prouve. Hein? Que je prouve, quoi. Pour deux pieds chacun. Ok.
Thank you.
On prend 12 pièces par boîte. Oui. Ok. En chiro, hein. Une boîte chacun. Oui. Hein? On va avoir une bleue. On va faire une boîte chacun, c'est bon. Hein? Bah, de toute façon, on prend. Il faut que ça va rester, ça va être blanc. Mais c'est pas grave, parce que c'est bien aussi bien. Hein. Oui, mais quoi, on fait. Ah, on le fait, oui, mais okay. C'est en boîte. Moi, je peux. Bisous. Ça va, pick-up, c'est le copain. Il est final, là. Aïe, aïe, aïe. On a du bon. Ah, ok. Oh. Ah, ok. Croissant de scène, hein? Qui croissant de scène, hein? Ah, mais la mer. Qui croissant de scène? Oui, il y a moyen de faire le. Il y a moins de 36 ça laisse. Ah, oui, tu peux. Oui, tu peux attendre un peu. Moi, je vais pêcher avec tout ça. À la mouche. Voilà. Ça, c'est une partie. Tu peux me passer les pieds. Ah. Attends, viens. Allez, viens. Oh. Allez, viens. Tu te prétends les gueules dans le feu, mais c'est bien que... Est-ce que ouais, parce que là, c'est d'accord, tu l'as dans le feu. Ça va être plus long, hein. Ça va Travailler un peu.
Hey Fred, toi depuis qu'il y a le live, t'es pas seul à bosser en fait. David il bosse aussi un peu. Hein. Putain, elle est bien cette caméra. Tu demandes de saluer, tu l'as envoyé toi en live. H24. Live. Fallait garder le secret. Je sors, ça comme ça en public. Oh merde. En fait, comme quoi l'esprit d'esprit, toi. C'est qui vient de le casser là? T'es pas chez Force Ouvrière, toi, par hasard? Eh ben. On se rappellera de celle-là. Ouais. Bien sûr. Mais non, il est à côté des blancs. Non, non. Il est blanc, t'as vu? J'ai pris deux fois, il est magnifique d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a rien. Là, ils ont la petite corniche et on les voit pas passer oui. Par le moment en dessous, sous nous. Ça va, il va se marquer. Thank you.
pâte blanche.
Ça me va. Ça vous, hein. Et si vous êtes en route,